sir. Ouf, pas très facile celle-là. Elle est tirée à 635 verges. 635 verges. Mais ça n'a pas été facile. Une chance, il était calme, il comprenait pas d'où ce que le son venait là, à cause du muzzle break. Là. On va le laisser mourir, on va aller voir ça. Salut la gang, je viens d'en tirer un beau et je l'ai tiré, ça a pris 5 balles par exemple. Il était quand je l'ai tiré final, il était à 635 verges. Puis là, as-tu vu, j'y ai laissé un peu de temps, mais là je suis pressé, faut que j'aille travailler. Puis j'ai parti en quatre roues en arrière des traces pour voir si je pensais qu'il était mort dans le haut du champ parce qu'il s'avait mis à tourner quand je l'ai tiré. Finalement, j'ai 2,2 km de fête à partir de la chute. Puis là, je viens de voir qu'il est rentré dans le bois ici, là, fait que je vais y laisser un peu de temps, là, je vais revenir plus tard, venir voir, là, mais il saigne encore après 2,2 km, là, c'est sûr que c'est pas un tir qui a été parfait, ses pattes, il fait des traces à terre normales, là, ses quatre pattes, là, fait que probablement que j'ai pogné dans la panse ou quelque chose comme ça, là. Je vais le laisser mourir un peu, puis je reviendrai plus tard le voir. Fait que salut la gang, bonne journée! Salut tout le monde, il est rendu 8h le soir, je viens d'aller rechercher encore pour trouver mon coyote que j'ai tiré ce matin, ça fait plus de 12 heures que je l'ai tiré. J'ai parcouru l'équivalent avec ce que je viens de refaire ce soir, ce que j'ai fait ce matin, 3 km à vol d'oiseau. J'ai toujours le sang dans les traces du coyote, là, et vraiment là, c'est sûr et certain qu'il est mort au bout de son sang, ce coyote-là, ça c'est assuré. À tous les pas qu'il fait, il y a tout le temps un tapon de gouttelette qui tombe. C'est sûr que c'est pas un tir vital, là, parce qu'il n'aurait pas parcouru 3 km, là. Mais c'est probablement un tir de panse ou de fouet ou quelque chose comme ça. Là. J'ai beaucoup, beaucoup de sang, mais je le trouve pas. Et puis là, il a commencé à neiger cet après-midi. Fait que il y a une partie des traces là, où ce que je tombe un peu plus à découvert dans le bois là, que. Je perds ses traces. Maintenant, je la retrouve quand il est dans le bois sale. Je retrouve ses traces. Mais malheureusement, là, je suis obligé d'abandonner les recherches. C'est plate parce que même si c'est un prédateur, puis notre but, c'est d'éliminer le plus qu'on peut les prédateurs pour essayer de faire prospérer nos chevreuils, notre chapitre de chevreuil, puis des autres animaux autour. Mais malheureusement, je l'ai pas trouvé. C'est plate, mais c'est ça. Ça fait partie de la chasse. Fait que ça en fait un de moins pareil autour de cette ferme-là. Là. Dans le fond, l'agriculteur, depuis l'année passée que je chasse là, l'année passée, il s'avait fait manger deux veaux dans l'été par les coyotes. Puis cette année, aucun. Il en a bu beaucoup moins cet été. Il était très content de la job qu'on a faite l'année passée. Mais cette année-là, j'ai des bêtes là, d'installer autour de ce champ-là. Puis comme là, j'en avais trois différents la semaine passée, de juste de nuit. Ça rentrait toujours de nuit. Puis ce matin, c'est la première fois qu'il faisait une erreur de jour. Puis heureusement, j'étais là. Fait que j'ai pu tenter un tir à 635 verges, mais malheureusement, là. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé pour vous le montrer, puis être capable de savoir le sexe exact, puis le poids. Mais c'était un beau coyote, un beau foncé, une belle couleur. Mais c'est pas grave, on va s'en reprendre. Il va y en avoir d'autres. C'était le premier en 2024. Malheureusement, j'ai pas pu vous le montrer. Mais c'est ça. Fait qu'on travaille fort pour en tuer d'autres. Fait que bonne soirée tout le monde. Bye.